Moi c'est Lilou. Moi c'est Théo. Nous sommes en troisième. Et nous allons ensemble visiter le collège Saint-Gabriel. Situé dans le vignoble nantais, notre collège a longtemps été habité par les frères de Saint-Gabriel, qui l'ont fondé en 1950. Ils sont aujourd'hui représentés par la tutelle, qui perpétue leurs valeurs humaines et chrétiennes. Bon, maintenant que vous connaissez les lieux, ça vous dirait d'aller en cours ? En français, dans cette classe de 4e, les élèves étudient une nouvelle fantastique. On coopère pour mieux avancer. Est-ce que vous avez trouvé des éléments du texte qui correspondent au mal ? Bah moi, oui. À la ligne 193, il n'y avait pas âme qui vive. Et moi, à la ligne 196, il y a marqué le feu, qui symbolise le feu des enfers. En histoire géo, les élèves réalisent une carte qu'ils commentent et expliquent au tableau. Direction, les labos. C'est là qu'on réalise des expériences. Aujourd'hui, en physique-chimie, les élèves mènent un projet interdisciplinaire sur l'électricité. Ici, les élèves observent au microscope des fougères pour comprendre la reproduction des végétaux. En technologie, les élèves de 6e testent les bateaux qu'ils ont créés. Ils peuvent aussi se rendre en salle multimédia pour développer leurs compétences numériques. 3, 2, 1... Le travail, ça creuse. Il est temps d'aller au self. Le repas est préparé au collège par notre cuisinier avec un maximum de produits locaux. Le repas, c'est aussi le moment des discussions, des rigolades et gare au gaspillage. Avant de retourner en classe, on a largement le temps de prendre l'air sur la cour. Durant cette pause du midi, on peut aussi aller au CDI pour lire ou emprunter des livres, utiliser les ordinateurs pour nos recherches. D'autres activités nous sont proposées, activités sportives, jeux de société, création d'un journal ou d'un site internet au club CDI, atelier chant. Attention au départ, direction notre histoire, larguer les amarres. Allez, rien de tel qu'une séance de PS à 14h pour retrouver de l'énergie. Le parc du collège est l'endroit propice pour l'athlétisme et les sports collectifs. On a aussi la possibilité d'aller au gymnase de la Croix des Tailles pour pratiquer le tennis de table, le badminton ou la gymnastique. En 6e, l'après-midi peut être consacré à un enseignement d'exploration. Chaque élève choisit un thème qu'il affectionne. Nature et environnement, activités physiques de pleine nature, ouverture internationale, numérique et communication, ou encore expression artistique. Le but ? Développer ton esprit critique, collaborer, communiquer et créer. Tout ça pour t'ouvrir au monde de demain. Pas mal, non ? On y va. Pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit « Tu viendras milliardaire ?» C'est parti. Les jours passent et se ressemblent un peu. Tout le temps, la tête dans les étoiles. Et pourtant, je me sens si seule. En 5e, tu pourras choisir de poursuivre ces enseignements d'exploration sous la forme d'options. Le théâtre, le latin, le rugby. Le collège, c'est aussi un lieu d'échange, de rencontre, ce qui n'est pas toujours simple. Pour nous aider à vivre ensemble, nous participons à des ateliers qui développent nos compétences psychosociales. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Avant de se quitter, on doit vous dire qu'on est particulièrement fiers de notre collège qui a récemment obtenu le label Établissement International. Concrètement, ça veut dire quoi ? Dès la 6e, on s'initie à l'allemand ou à l'espagnol. Et il existe même une classe bilingue, anglais-allemand. Ici, en cours d'allemand, les élèves se présentent à travers un dialogue. Wie heißt du? Ich heiße Alice. Und du, wie heißt du?
Je crois que c'est Gabriel. Tchuss. En quatrième, on fait une heure d'anglais en plus sous forme de classe chat. En troisième, on fait tous une heure de physique en anglais. Le collège organise aussi des échanges, des voyages linguistiques et culturels en Irlande, Allemagne, Italie ou bien en Espagne. Et puis, l'ouverture internationale, ça passe aussi par des actions solidaires, comme celle que nous avons mise en place en faveur d'une école d'enfants sourds et muets du Rwanda. On espère que tu as apprécié la visite. Alors, on compte sur toi la prochaine rentrée ?